cette semaine, vendredi 17h, nous sommes ici pour conseiller le miracle. Dimanche, à partir de 8h, nous sommes là pour le culte. On est vendredi, nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte de célébration. C'est qui avait Vivi? Vivi, c'est qui? C'est ma femme. Elle est où? Elle est ici présente. Merci. Parmi vos collègues en tenue, vous avez un de vos collègues qui est comme un ami qu'on appelle Hamadi. Hein? On appelle Hamadi. C'est Amadou. Amadou. Mais les gens aiment appeler Hamadi, 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 Hamadi. Commando, commando. Hein? Ce jeune homme ne vous aime pas. Vous venez? Je comprends, papa. Amadou, il ne vous aime pas. Il y a quelque chose que je ne peux pas dire en public. Vous représentez l'armée. Non, là. Chantal est où? Oui, Chantal. Hein? Je ne sais pas là où elle est, Dadi. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? Pour how long are you separated? Hein? Depuis. C'était qui pour vous? C'était ma cousine. La seule personne en qui vous devez vous confier partout là, c'est Charlie Caporal. Vous connaissez Charlie Caporal? C'est Charlie Caporal. Hein? Il y a Charlie, vous avez un collègue qu'on appelle Charlie, qui est un caporal. C'est ce Charlie qui est un ami pour vous. Je vous ai vu avec une jeune fille qu'on appelait comme Ma. Hein? Une amie à vous qu'on appelait Ma. Ma. Et la fille, si vous étiez ensemble à une certaine époque, une époque où vous vous cherchiez, où vous aviez des décisions dans le cœur, de grandes ambitions pour la vie. Après, vous êtes perdu de vue et votre vie a sombré. Et Ma, si est parti avec une partie de votre vie, vous. Une partie de votre vie. C'est une fille qui montrait qu'elle vous aimait tellement. Elle se souciait tellement pour vous. Oui, Dadi. Vous vous souvenez? Oui. Elle est où maintenant? Je ne sais pas là où. On l'appelait comment? Julienne Ma. Julienne Ma. L'époque, il y a un jeune homme qui vous aimait. Qu'on appelait comme Patrick. C'était Patrick. Ou c'est Patrick et Boumé. C'était Patrick et Boumé. Oui, Dadi, c'est vrai. Patrick et Boumé. Oui. Vous savez pourquoi Boumé ne vous a plus épousé? Non. À cause de Ma. Avec Florence. Avec Florence. Parce que j'étais trop à l'époque. Oui, Ma avait son ami qu'on appelait Florence. Oui, Dadi. Mais vous n'étiez pas trop attaché à Florence. Oui. Florence était attachée à. Dadi, c'est vrai. Voilà. Donc les deux filles se sont. Jeune monsieur. Quand vous étiez une jeune fille qu'on appelait Sylvain, hein, qui vous avait beaucoup aimé, ce jeune homme est venu avec un amour vrai pour vous. On l'appelait Sylvain. Sylvain, c'est Sylvain Ekongé. Hein? Oui. Il s'appelait Sylvain Ekongé. Oui. Vous savez où il est maintenant? Non, je ne connais pas. Hein? Je ne connais pas. Vous savez où il est? On est vendredi. Nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte de célébration. Depuis quand vous avez des problèmes de marché? C'est depuis quand que vous n'arrivez pas à bien marcher? Depuis quand? Vous comprenez français? Je ne comprends pas les français. Vous êtes avec qui ici? Je comprends l'américain. Demandez-lui depuis quand elle n'arrive pas à bien marcher. Deux ans. Oui. Demandez-lui, est-ce qu'elle a la foi que Jésus-Christ l'a guéri? Dis-le s'asseoir. Et free in Jesus name. Libre au nom de Jésus. Yapsi, Yapsi, Lucy, Lucy, Lucy. Lucy, comment tu viens? Sors, sors maman. Comment tu marches? Comment tu marches? Sors. Maman, Bonjour, Tu es pour hier soir pour hier. La mer tout. La mer est de courir. Jésus.
n'en revient pas. Elle dit, ce n'est pas possible. Comment je marche? Je fais le mouvement. Jésus est bon. On est vendredi. Nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte de célébration. Maintenant, je vais lire 1 Corinthiens 4, verset 15. Ayant garde, mourios, paidagogos et kete en Christo, quand bien même vous aurez des milliers, j'ai envie de dire de pédagogues, paidagogos, de pédagogues ou de maîtres, al ou polos pateras, vous n'aurez pas beaucoup de pères. En garde Christo, Jésus, car en réalité, en Christ Jésus, Diatou Evangelium par l'évangile ou à travers l'évangile. Ego Umas et Genesa, c'est moi qui vous ai engendré. Vous avez suivi? Je reprends. Ayant gar Murius, Paidagogus et Kete en Christo, quand bien même vous aurez des milliers de maîtres, de tuteurs, si vous voulez, en Christ, al ou Paulus Pateras, vous n'aurez pas beaucoup de pères. En gar Christo Jésus, en réalité en Christ Jésus, Diatou Ewa Gerio, à travers l'évangile, Ego, Umas et Genesa, c'est moi qui vous ai engendré. Ce matin, je voudrais enseigner sur ce que j'ai intitulé les pères territoriaux. Dieu dépossède tes ennemis de leurs armes. Toute arme qui avait été forgée contre toi, forgée contre tes enfants, forgé contre ta santé, forgé contre ton mariage, forgé contre ta carrière, forgé contre tes finances. Dieu arrache cette arme de la main de ton ennemi et il te fait possesseur de l'arme de ton ennemi. Le mal qu'ils penseront te faire, Dieu retournera ça en ta faveur. Joseph a dit quelque chose. Il a dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. La même prophétie est ta portion cette année. La même prophétie est ta portion cette année. La même prophétie est ta portion au nom souverain de Jésus. Du 1er janvier au 31 décembre 2021, le travail que Dieu réussira à faire dans nos vies, c'est qu'il changera en bien le mal qu'on veut nous faire. Et la vie de David a été préservée. And David's life was preserved. Un père spirituel, a spiritual father, c'est celui is that qui peut faire que tes ennemis deviennent des prophètes. Lorsque Saül est arrivé, when Saul came, il s'est déshabillé. He unclothed himself. Ça voulait dire quoi? What did that mean? Dans Najot, il n'y a pas de roi. There is no king. Il n'y a que des prophètes. There are just prophets. Il a déchiré la royauté. Dieu l'a mise à nu. Dieu l'a humilié. Tes ennemis seront mis à nu cette année. Je vous dis la vérité par l'Éternel. Nos ennemis vont eux-mêmes vont déchirer les vêtements. Parce que dans le territoire-ci, le nom de Jésus-Christ est invoqué en esprit et en vérité. Le roi lui-même a déchiré son habit. Il a massé sa nudité, a été exposé. Quiconque cherchera ta mort cette année, que Dieu expose sa nudité. Que Dieu expose sa nudité. Que Dieu expose sa nudité. Dans le nom souverain de Jésus. Ton ennemi, venant pour te faire du mal, va prophétiser ton élévation. Il va prophétiser ton mariage. Il va prophétiser ta délivrance. Il va prophétiser ta guérison. Celui qui dit amen, cette parole est pour lui. Donc il y a père spirituel et père spirituel. Si ta spiritualité est plus forte que celle de ton père spirituel, il n'est pas digne d'être ton père spirituel. Si ta connaissance des mystères du royaume est plus grande que celle de ton père spirituel, il n'est pas digne d'être ton père spirituel.
Si tes dons spirituels sont plus forts que ceux de ton père spirituel, je vous parle normalement, il n'est pas digne d'être appelé ton père spirituel. Un père spirituel, c'est celui qui peut protéger ta vie contre Saül. David fuit parce qu'il n'a pas de pouvoir. Et Samuel se tient et met David derrière. Et Saül devient prophète devant Samuel et devant David. C'est ça un père spirituel. Maintenant, écoutons ce que l'apôtre Paul dit. Dans Corinthiens 4, verset 15. L'apôtre Paul dit ceci. Quand bien même vous aurez des milliers et de milliers de paidagogos. En grec, paidagogos veut dire, c'est un peu comme des boys, des jeunes hommes esclaves à l'époque qu'on recrutait dans les maisons pour éduquer les enfants, hein? Pour former les jeunes garçons, donner des instructions, la discipline, les faire grandir pour réussir dans la vie. C'est eux qu'on appelait paidagogos. C'était des tuteurs, des personnes parmi les esclaves dont le travail était d'éduquer et de discipliner les jeunes hommes pour qu'ils réussissent dans la vie. Et Paul dit ceci, quand bien même vous aurez des paidagogos en milliers, n'oubliez pas que vous n'avez qu'un seul pateras. Pateras veut dire père géniteur, celui qui t'a engendré. Il dit à ses fils, parce que ses fils couraient après le père spirituel. Il montait, descendait, tel disait ça c'est mon père, l'autre disait ça c'est mon père. David et Paul leur disaient, tous les pères que vous partez chercher là, c'est des sacrificateurs à Chimélec. Ils ne peuvent pas vous préserver de Saül. Partout là, vous courez, vous montez, vous descendez. C'est des Achimelech pour vous. C'est moi qui vous ai engendré. Donc c'est moi seul qui peut vous garder, vous protéger contre vos ennemis. Il n'y a pas, tu ne peux pas avoir deux qui t'ont engendré. On peut avoir des tuteurs, mais un seul parent. C'est ça, n'est-ce pas? Et la loi de la parenté dit quoi? L'enfant qui honore son père et sa mère est béni. Celui qui maudit son père ou sa mère est maudit. Celui qui insulte son père ou sa mère est maudit. La Bible dit même que celui qui demande à sa mère pourquoi m'as-tu enfanté est maudit. Et que celui qui maudit le jour où sa mère l'a accouché est maudit. Donc, la parenté est sacrée. Dieu respecte le père, il respecte la mère. Le roi David, King David a voulu honorer le souverain sacrificateur Achimelech. Parce que c'était un père, c'était un serviteur de l'éternel. Mais il est allé chez la mauvaise personne. David avait enfreint une loi. Il est allé vers un paidagogos, se soumettre au lieu d'aller vers son pateras, le père pateras, qui veut dire celui qui l'a engendré. Laissez-moi vous dire quelque chose. Let me tell you something. Dans la loi de la paternité, si, the law of kinship, quand nous regardons Cameroun, when we look in Cameroon, c'est quelque chose qui est répandu. It is something that nous, is les great. Jeunes serviteurs, les jeunes hommes de Dieu, we, the young nous aimons aller nous identifier aux hommes de Dieu qui n'appartiennent pas à notre territoire. To men of God that doesn't belong to our territory. Au Nigeria, to Nigeria, en Afrique du Sud, you, au Ghana, Ghana, partout là-bas, everywhere, part, nous maîtrisons mieux l'histoire de l'église du Nigeria. On peut citer les noms des généraux du Nigeria ou bien de l'Afrique du Sud, etc. Mais l'histoire même des pères de l'église au Cameroun, nous ne la comprenons pas, nous ne la maîtrisons pas. Nous, serviteurs de Dieu au Cameroun, nous n'avons pas donné de valeur à nos pères du Cameroun. Vous tous là, vous ne connaissez pas les pères du Cameroun. Vous ne connaissez rien. Les noms que nous connaissons, c'est les noms étrangers. Et c'est là que nous avons commis l'erreur de David. Nous sommes partis pour nous confier dans l'onction d'Achimelech et non pas dans l'onction de Samuel. Lorsque David a respecté le père de son territoire, sa vie a été sauvée. Dieu l'a gardé et il est parvenu à la royauté. Tu ne peux pas aller honorer les pères de dehors en négligeant tes pères d'État. Nous devons honorer les pères de l'église du Cameroun. Ce n'est pas un mal d'aller dehors, voyager,
Tu dois honorer un père. To God honor. Ou s'identifier un père. Nous nous identifions à ces pères. You identify yourself to those. Parce qu'ils sont glorieux. Because they are glorious. Et parce que leurs fils les ont aussi honorés. And because their sons equally honored them. Et nous abandonnons les nôtres ici. We abandon dans la misère, dans la galère, misery, dans la pauvreté, poverty, et nous partons. Parce qu'ils n'ont pas la même richesse que ceux because de là-bas. Non, les like pères de l'église au Cameroun, quand j'ai réfléchi à la question, ont une question, grande richesse, un patrimoine spirituel qui nous ont donné, qui nous verra posséder les richesses qu'on voit dans d'autres nations. La bénédiction est une parole. Blessing is a word. Alors, cette semaine, vendredi 17h, nous sommes ici pour l'atmosphère de miracle. Dimanche, à partir de 8h, nous sommes là pour le culte. On est vendredi, nous serons atmosphère de miracle à partir de 17h. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte de célébration.